oublies déjà? Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires. Mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire. Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là. Tu dois pas être au courant. Tu sais que je t'entends, là. On a une réunion de famille ce week-end. On sera tous réunis pour la première fois depuis sa disparition. J'en dis quoi, moi, s'il me voit parler à une brouette? Mais là, c'est devenu n'importe quoi, dépoitré dans ton bureau. Tu me regardes même plus. C'est pas vrai. Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe? T'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche. Bonjour, maman. Bonjour. Mon seul petit secret, c'est toi, et t'es plus là. Parfois, je décroche mon téléphone pour l'appeler, puis je me souviens qu'il est plus là. Moi, je le vois. Faut toujours que tu fasses mieux que les autres, c'est fatigant. En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi. Mais trop présent, certainement pas, t'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire des devoirs. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi? Égoïste. Ah oui, quand même. Quoi, tu l'as pas vu venir, celui-là? Ah! Où t'as vu faute, toi? Penalty! Ne t'interdis rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. Faut rire, déconner, mentir, crier. Et surprendre. C'est important de ça te surprendre. Excuse-moi pour la voiture. Bon, je comptais plus trop m'en servir.